Les acariens domestiques sont des organismes microscopiques qui vivent dans des tissus ou des surfaces similaires. Nous sommes nombreux à vouloir lutter contre les acariens à la maison. Ils s'accumulent principalement dans les chambres, les matelas et les oreillers sont leurs demeures préférées, et ils peuvent causer des allergies et des maladies. Dans cet article, nous vous expliquons comment détruire les acariens à la maison. Qu'est-ce qu'un acarien ? Il s'agit d'une sous-catégorie d'arachnides dont la longueur ne dépasse pas quelques millimètres. Mais beaucoup ont des tailles microscopiques de moins de 0,2 mm. Ils ont des habitats diversifiés et ont colonisé des milieux terrestres et marins, et même des sites extrêmes comme les déserts, les hautes montagnes et les sources chaudes. Beaucoup d'acariens se nourrissent de mousse, de feuilles, de fougères, de tiges et de fleurs, d'autres vivent des cultures, ce sont des insectes nuisibles. Certains causent des allergies chez les humains et d'autres sont des parasites des animaux. Dans le premier cas, c'est dû aux excréments et aux insectes morts, que nous ne voyons pas, mais qui s'accumulent à la maison. Les acariens peuvent être présents dans n'importe quel environnement et peuvent être inhalés sans que nous ne le remarquions. Ils déclenchent alors une allergie permanente ou de l'asthme. Ces insectes abondent surtout dans les matelas, les couvertures, les draps ou les oreillers. Ils vivent également dans les canapés. Ils peuvent vivre jusqu'à 3 mois, et pendant cette période, la femelle peut pondre jusqu'à 100 œufs. Les saisons les plus favorables pour la reproduction sont l'automne et le printemps. Les symptômes de l'allergie aux acariens sont les suivants: nez qui coule, éternuement, surtout le matin, congestion nasale, larmoiement et démangeaison des yeux, rougeurs cutanées, sifflement en respirant, à lire aussi: réduisez votre allergie avec ces 7 antihistaminiques naturels. Comment éliminer les acariens à la maison? En raison de leur taille minuscule et du fait qu'ils peuvent être présents dans n'importe quel endroit que nous utilisons habituellement, comme le lit ou le canapé, nous ne réalisons souvent pas qu'ils occupent notre chambre ou notre salon jusqu'à ce que les premiers symptômes apparaissent. Pour cette raison, la propreté est essentielle pour la prévention des allergies ou de l'asthme causées par ces organismes. Quelques conseils qui vous seront utiles. 1. Changez régulièrement de literie. Les acariens se nourrissent principalement de poussière et de peau morte. Quand nous dormons, nous perdons de la peau. Et, donc, ces petits micro-organismes s'en régalent. Afin de lutter contre les acariens à la maison, essayez donc de changer les draps et les couvertures toutes les semaines ou toutes les deux semaines. 2. Lavage à haute température. Tout le linge de lit doit être lavé à l'eau aussi chaude que possible, au moins 55 degrés Celsius. Vous pouvez programmer la machine à laver à cette température. N'hésitez pas à utiliser une lessive puissante et de bonne qualité. Nous recommandons des produits contenant de l'huile d'eucalyptus, d'arbre à thé ou de cèdre pour augmenter l'efficacité du lavage. Vous utilisez de l'eau froide ou tiède, en plus de la lessive, utilisez aussi une eau de Javel appropriée à votre type de linge. Ne mélangez pas la literie avec les autres vêtements pour empêcher les acariens de passer de l'un à l'autre. Après le lavage, il vaut mieux rincer la machine à laver à l'eau chaude pour éliminer complètement les parasites. Enfin, pour le séchage des vêtements, si vous pouvez, placez-les au soleil toute la journée après les avoir passés au sèche-linge. 3. Passez l'aspirateur au moins une fois par semaine. Cet appareil de ménage convient non seulement au tapis, mais peut également être utilisé pour le canapé, les rideaux, les chaises, selon leur type de garnissage, la literie, etc. L'aspirateur permet ainsi de détruire les acariens à la maison. C'est-à-dire tous les meubles ou endroits où l'on s'allonge et où l'on peut perdre des peaux mortes. Pour que l'aspirateur puisse faire son travail efficacement, il doit être muni d'un sac à double couche avec microfiltre, c'est-à-dire qu'il retient les particules de poussière et les acariens en même temps. Gardez à l'esprit que le fait d'aspirer les surfaces n'est pas une garantie que ces agents pathogènes et leurs allergènes disparaîtront. Par contre, la poussière et les particules sur lesquelles ils se nourrissent sont grandement réduites. N'oubliez pas de bien entretenir l'aspirateur pour qu'il fonctionne à pleine puissance. Lisez aussi 4 conseils fantastiques pour prendre soin de votre matelas. Mettez-les en pratique. 4. Nettoyage à la vapeur, c'est une excellente idée, surtout si vous avez des tapis sur le sol.
Cette méthode dissout la saleté, mais tue aussi les germes et les acariens de la surface et des parties plus profondes du tissu. Après ce nettoyage, vous devriez passer un produit séchant, car l'humidité crée un environnement idéal pour que les bactéries s'accumulent et attirent l'attention de ces micro-organismes. Par contre, nous vous recommandons de ne pas utiliser de plumeaux ou de chiffons secs, car ils répandent les allergènes dans l'air. Utilisez un chiffon humide ou une serpillière pour les surfaces sèches. 5. Lavez les vêtements entreposés généralement. Nous gardons les couvertures et les vêtements chauds dans les armoires lorsque le beau temps arrive et nous les ressortons dès que les températures se rafraîchissent. Avant de les remettre sur le lit ou de les réutiliser, nous vous conseillons de les laver d'abord. Pendant tout le temps qu'ils ont passé dans une boîte sous le lit ou dans l'armoire, les acariens se sont multipliés et ont survécu. 6. Litry avec housse on trouve dans le commerce des housses anti-allergiques étanches à la poussière, fabriquées en tissu spécial pour empêcher les acariens de s'y déposer. Quant aux oreillers, ils devraient avoir des rembourrages synthétiques. Les matelas les plus appropriés sont ceux contenant de la mousse viscoélastique. Dites adieu aux animaux en peluche et au tapis. Pour éviter que les acariens ne nuisent à notre santé, il est préférable de réduire les surfaces où ils peuvent se développer, comme les jouets en peluche et les tapis de sol. Nous vous recommandons également de ne pas dormir sur le canapé, afin d'éviter qu'ils ne prolifèrent, et d'avoir le moins possible d'objets attrape-poussière à la maison. La solution ultime est peut-être une décoration minimaliste. Et n'oubliez pas de ventiler les pièces au moins une fois par semaine afin de lutter contre les acariens à la maison. Cette astuce simple pour nettoyer les lieux les plus inaccessibles de votre maison. Nettoyer la maison n'est jamais une tâche facile. Aujourd'hui, nous vous offrons plusieurs astuces pour nettoyer efficacement. Lire plus Let's Block ADS. Why?